Hello everyone and bienvenue sur Zemnikake TV. This video will be divided in two parts. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zemnikake TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout premier IGPU portable au monde avec options de stockage allant jusqu'à 4 Tera. Il s'agit du ONE-X GPU créé par ONE-X Player. Vous pouvez le brancher sur les consoles portables ONE-X Player, mais également celles des concurrents, et aussi des mini-PC, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo avec un mini-PC de billing. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti! Allez, on commence par l'unboxing. Déjà, la boîte est vraiment très lourde. Et voilà donc la fameuse ONE-X GPU. Et je sais maintenant d'où provient le poids de la boîte. Ici, la notice d'utilisation. L'alimentation livrée en prise européenne. Bon, finalement, elle est vraiment très lourde aussi. Et pour finir, un câble WSB-C. Maintenant, passons à la présentation de la ONE-X GPU. Déjà, on commence par l'aération. Technologie de pointe combinant le refroidissement par air traditionnel et la technologie WC. Elle gère efficacement la chaleur, garantissant des températures internes stables car elle est munie d'une plaque thermique en cuivre pur. Ensuite, sur le côté gauche, on retrouve l'extraction d'air ainsi que le contour RGB. Sur le côté droit, on a un bouton on-off, un bouton pour activer le mode turbo, le bouton de réglage des effets de lumière RGB et de prise USB 3.2. À l'arrière, on retrouve une entrée RJ45, deux ports display, deux ports HDMI, un port Oculink, un port USB-C 4.0 et l'entrée de l'alimentation. En dessous, deux grands grips antidérapants assurant une bonne stabilité, mais surtout, un clapet magnétique donnant accès à l'emplacement permettant de mettre un disque dur SSD NVMe pouvant aller jusqu'à 4 Tera. Cette carte graphique portable pourra ainsi booster vos consoles et PC, mais également se transformer en disque dur nomade. Et voici la ONE-X GPU branchée et connectée à ma console ONE-X Fly. Son design arrondi est très sobre et les bandeaux de LED lui créent rapidement une ambiance setup gaming. A l'aide du bouton de réglage, vous pourrez facilement changer de couleur en fonction de vos envies.
Maintenant, passons aux spécifications. On retrouve un GPU AMD Radeon RX 7600MXT avec 8Go de RAM en GDDR6, conçu avec l'architecture RDNA 3.0 avec 32 unités de calcul et une fréquence de jeu de 2300 MHz. Allez, première vraie installation sur ma One X5. Il suffit juste de brancher le câble sur les ports USB-C 4.0 et automatiquement la One X GPU affichera le bandeau de LED, ce qui confirmera sa connexion. Pour activer le mode turbo, il suffira juste d'appuyer sur le bouton avec le pictogramme éclair. Si vous allez dans le gestionnaire de périphériques, vous verrez votre carte graphique d'origine. Et lors du branchement, la One X GPU va s'afficher comme AMD Radeon RX 7600MXT. Le logiciel de benchmark identifie bien les deux cartes graphiques. Voici un comparatif des deux. Les résultats sont sans appel. La One X GPU surpasse clairement la carte graphique d'origine de la One X Live. Les tests effectués sur User Benchmark accordent là encore les meilleurs résultats à la One X GPU. Voici une console concurrente. Il s'agit de la GPD Win Mini. Cette dernière permet également d'accueillir la One X GPU, augmentant ainsi ses performances. Cette fois, je vais passer sur le mini PC de Beelink, le Cer6. Bonne nouvelle, lui aussi accueille la One X GPU et là encore, il voit ses performances boostées. Bon, donc quelle est ma conclusion sur ce iGPU ? La One X GPU de One X Player est un ovni. Au-delà de son design épuré et compact aux courbes arrondies, elle affiche deux élégants bandeaux RGB qui la rendent esthétiquement splendide. Elle est juste magnifique. Ce eGPU est d'une polyvalence incroyable. La One X GPU est une solution intéressante pour les utilisateurs souhaitant augmenter les performances graphiques de leur console de jeu, ordinateur portable ou de bureau sans avoir à investir dans une nouvelle machine. Grâce à sa carte graphique AMD Radeon RX 7600MXT, ce boîtier eGPU offre des performances solides pour les jeux vidéo et les applications graphiques exigeantes. Cependant, il est important de noter que les performances réelles dépendront aussi et surtout de la configuration de votre système, notamment du processeur, de la mémoire vive, etc. La One X GPU reste une option très intéressante pour les utilisateurs qui cherchent à booster les capacités graphiques de leur système sans remplacer entièrement leur ordinateur.
Sa compatibilité avec de nombreux appareils en font un choix pratique pour ceux qui ont besoin de plus de puissance graphique de manière occasionnelle ou pour des projets spécifiques. De plus, grâce à son chargeur GAN de 330 watts, la One X GPU booste facilement la RX 7600. La recharge inversée ultra rapide de 100 watts charge simultanément votre console. Grâce au couvercle arrière magnétique, vous pouvez accéder facilement à l'emplacement PCIe pour mettre un SSD NVMe. Plus qu'une carte graphique, c'est également un disque dur externe pouvant aller jusqu'à 4 Tera. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une première mondiale. Donc si vous recherchez un moyen d'améliorer les performances graphiques de vos jeux, stocker des données et avoir un style unique, adoptez le One X GPU. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce eGPU dans les commentaires. Comme d'habitude, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais un... Rétro Kiss, Kiss. Hello everyone and welcome back to the Minicake TV. Today I'm going to present you the world first portable eGPU with a 4 TB capacity of storage. I'm talking about the One X GPU created by the one and only One X Player. You can plug it into One X Player's console as well as competitors' console, but also in mini PCs such as Billings, which I'm going to test in the video. Of course, as always, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. All right, let's get into the video. Let's get started, beginning with the unboxing. First of all, the box is really heavy. And here it is, the famous, the one and only One X GPU. And I gotta say, I now know where the weight of the box comes from. Now the user manual. Now with the power supply, given with the European plug. Well, I gotta say, it is really heavy too. And finally, a double USB-C cable. Now let's move on to the presentation of the One X GPU. Let's start with the ventilation, a cutting-edge technology combining traditional air cooling and VC technology. It manages heat efficiently, guaranteeing stable internal temperatures because it's fitted with a pure copper thermal plate. Then, on the left hand side, we find the air extraction and the RGB contour. On the right, there's an on-off button. A button for activating turbo mode, a button for adjusting the RGB lighting effects, and two USB 3.2 sockets. At the rear are an RJ45 input, two display ports, two HDMI ports, an AuxLink port, a USB-C 4.0 port, and power supply input. Underneath, two large non-slip grips are ensuring good stability.
But above all, a magnetic flap gave access to the slot of an NVMe SSD hard drive of up to 4 terabytes. This portable graphic card will not only boost your consoles and PCs, but can also be transformed into a mobile hard drive. And here is the 1X GPU plugged in and connected to my 1X Fly. Its rounded design is very sober, and the LED strips quickly create a gaming setup atmosphere. You can easily change the color to suit your mood using the control knob. Now to the specs. There's an AMD Radeon RX 7600 MXT GPU with 8GB of GDDR6 RAM designed using RDNA 3.0 architecture with 32 processing units and a gaming frequency of 2300 MHz. Okay, first actual installation on my 1X Fly. All you have to do is plug the cable into the USB-C 4 port and the 1X GPU will automatically display the LED strip, confirming that it is connected. If you want to activate turbo mode, all you have to do is press the button with the Thunderbolt icon. If you go to the device manager, you will see your own graphic card. And when you plug it in, the 1X GPU will be displayed as AMD Radeon RX 7600 MXT. Well, good news, the benchmark software correctly identifies the two GPUs. Here is a comparison. The results are just indisputable. The 1X GPU clearly outperforms the original 1X Fly graphic card. Tests carried out on user benchmark also still grants the best results to the 1X GPU. Here is rival console, the GPD Win Mini. This one also allows to welcome the 1X GPU, thus increasing its performances. This time, I'm moving on to Billings Mini PC, the Sur 6. Good news, it also hosts the 1X GPU, and once again, its performances have been boosted. So, what do I think about this? What is my conclusion? Well, let me tell you,
the 1X GPU from 1X Player is a UFO. Beyond its sleek and compact design with rounded curves, it displays two elegant RGB bands that makes it aesthetically splendid. It's simply magnificent. This eGPU is incredibly versatile. The 1X GPU is an interesting solution for users who want to increase the graphic performances of their gaming consoles, laptops, or desktop computers without having to invest in a new machine. Thanks to its AMD Radeon RX 7600M XT graphic card, this eGPU box offers a solid performance for video games and demanding graphics applications. However, it's important to note that actual performance will also depend, well, mostly depend on your system configuration, including your CPU, RAM, etc. The 1X GPU remains a very interesting option for users looking to boost their system's graphics capabilities without completely replacing their computer. Its compatibility with a wide range of devices makes it a practical choice for those who need extra graphics power occasionally or for specific projects. What's more, thanks to its 330W GAN charger, the 1X GPU easily boosts the RX 7600. The ultra-fast 100W reverse charge simultaneously charges your console. The magnetic rear cover gives you an easy access to the PCIe slot for NVMe SSD. More than just a graphic card, it's also an external hard drive with a capacity of up to 4TB, and that, ladies and gentlemen, is a world first. Now, let me tell you, if you are looking for a way to improve your graphics performances, store data, and have a unique style, you must go for the 1X GPU. This video is now over. I really hope you enjoyed it. If so, don't hesitate to tell me in the comments what you thought about this eGPU. We'll see each other in another video, and as always, RetroKiss!